garde les lecteurs, voilà ton arme démocratique. Fini les camps, calme ton... Dégager, proroger même le mandat des députés manquant à 5 ans. Vous allez que dégager. Oui, Sandy Chamba, c'est toi qui m'as tagué là. Et puis bon, c'est bien. Voilà ce, qui, voilà ce qu'on dit, une soeur. Voilà comment on dit, on quitte sur Facebook, on devient les frères dans la vie. C'est pour ça. Mais c'est même, il faut sortir dans les histoires qu'on te considère comme une abeille là. Tu peux avoir une petite soeur que j'aime, ma petite soeur bagagée. Ok? Je ne peux pas accepter que toi, ma petite soeur Baganté chérie, qu'on t'identifie comme une abeille, que tu es contente, qu'on t'appelle que tu es une abeille. Je refuse ça. I say no, je refuse. Ma petite soeur chérie Chamba, I say niet. L'artiste c'est X Zafran, le rappeur engagé X Zafran, voilà, celui-là qui m'a tendance de faire comme Valsero, voilà, mais va-t-il persévérer comme Valsero, parce que l'essentiel n'est pas de commencer, le plus important c'est de finir, voilà,
Parce qu'il y a des gens qui commencent, mais pas à la suite. Ils s'arrêtent en chemin, par la peur. Voilà, donc il y a ceux qui ont laissé leur vie. Il y a ceux qui sont prêts à laisser leur vie. Ceux qui ont laissé leur vie, comme les lapureux de Mbanga. Voilà, ceux qui sont prêts à laisser leur vie, comme les Longue Longue. Comme le général Vassero qui est passé par la prison, voilà. C'est pas du tout facile. Voilà, c'est pas du tout facile le combat. Donc le peuple est prêt. Voilà, le peuple est prêt. Comme jamais. Ce qui me plaît, c'est que quand les gens disent que non, est-ce qu'il y a, il y aura changement. Il y aura changement, pourquoi? Parce que les tendances, même sur les réseaux sociaux, vous voyez, en 2018, il y a ceux qui ont cru que non, le frère du village devait les aider. Aujourd'hui, même les frères du village ne sont pas d'accord. Ils ont été déçus. Et ils se rendent compte que leur souffrance a continué après 7 ans. Voilà 7 ans qui est presque fini. Certains frères du village qui avaient la certitude que bon, ce sera leur tour. Non, non, on n'a même pas pensé à eux. Certains frères du village qui croyaient que non, on devait goudronner la route du village. Mais attendez, ils n'ont même pas vu la latérique. Ils n'ont même pas vu la latérique. Donc, c'est pour dire quoi? Le changement, il est. Pourquoi? Parce qu'en face, on a eu un leader politique qui n'a jamais give up. Le président Maurice Kamto n'a jamais abandonné. Jamais. C'est le seul homme politique du Cameroun qui existe depuis. Même quand ce n'est pas le moment des élections, le gars est là. Il ne donne pas le champ libre au parti d'État. Non. Le président Maurice Kamto ne donne pas le champ libre. Il ne donne même pas la chance au parti État que non, je n'existe plus. Après les élections, avant les élections, le MRC, le président Maurice Kamto est là. Mais regardez ces temps, si vous allez voir certains petits partis politiques, certains petits profiteurs qui attendent les subventions des élections pour pouvoir se positionner en attendant une quelconque cooptage. Un quelconque cooptage, voilà, pour te donner un petit poste quelque part. Oui, regardez bien. Le MRC est là. On n'a pas abandonné. Donc, disons quand même si c'était le buzz, c'est le buzz le plus long, dis donc. Eh, non, Maurice Kamto. C'est le buzz le plus long. Non, le gars ne s'est pas refroidi. Et ça, c'est le seul homme politique. Mais oui, on a connu certains hommes politiques qui ont brillé et qui n'existent que pendant les élections. Après ça, wap, ils disparaissent. Le président Maurice Kamto est là, il a la une. Il fait la pluie, le beau temps. Ah oui. Il suffit qu'il dise qu'il va à Douala, c'est le problème. Voilà. Il suffit qu'il dise que bon, je vais faire les gens là, vont renoncer à les meetings là. Il dit que bon, je vais aller à Douala. Mais attendez, mais il suffit que le président Maurice Kamto profite d'une occasion que Paul Biya est en train de voyager pour dire que moi je vais sur Douala officiellement. Vous allez voir. Paul Biya va renoncer à son voyage. C'est le président Maurice Kamto. Comme Paul Biya voyage l'autre jour là. Le président Maurice Kamto dit que bon, je vais faire un tour à Douala officiellement. Vous allez voir. Paul Biya aura peur. Qui doute que le président Maurice Kamto est fort? Qui doute du président Maurice Kamto? Qui doute de notre président? Non, l'homme est fort. L'homme est fort. Le président Maurice Kamto est fort. Il n'y a pas son camarade au Cameroun. Ah oui. Donc petit, parfois là non, il y a les gens qui ont l'âge de ton père. Mais dans la démarche, tu ne peux pas. Ah oui. Nous on a cru qu'il y a eu certains jeunes hommes politiques. Que parmi eux, on avait un peu confiance à certains. Moi aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a même pas match, mon frère. Ils sont fatigués avant le temps. Le président Maurice Kamto. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire l'homme qui est apparu au moment qu'il fallait. Je vous jure que si le président Maurice Kamto n'était pas là, c'est qu'ils vont faire le mi-mac là et puis porter quelqu'un, donner à qui? Ils devaient dire bon, assois-toi là-bas. Non. Tu as un garçon en face de toi. Quand tu sais que tu as un garçon en face de toi,
C'est-à-dire que tu n'es pas libre de faire n'importe quoi. Bah oui, oui. Oui. Puisque pour donner à quelqu'un, il faut donner à quelqu'un que tu es sûr que l'adversaire là, politique là n'est pas plus puissant. Il va venir prendre. Hein. Il va venir prendre. Oh, bah, vous vous souvenez, non? Quand on a renversé. C'était qui là? Quand on a renversé Conan Bédier, c'était Conan Bédier. En Côte d'Ivoire, quand on avait renversé Conan Bédier, quand on avait donné le pouvoir à l'autre, voilà, au général Gay, vous avez vu que parce que le pouvoir était dans les mains du général Gay, que Barbeau a pris. Parce que c'était arrangé que Barbeau ne devait jamais être président de la Côte d'Ivoire. C'était arrangé. Donc c'est pour dire que quoi? Quand Dieu décide de sauver un peuple, laissez-les faire leur folie là. Ils vont faire leur folie. Ils vont monter, descendre. Ça va aller tomber dans la main de quelqu'un. On va prendre. ouais. Ils vont danser, vont danser, vont danser. Ça va tomber entre les mains de quelqu'un. On va arracher. Et comment on prend là, c'est fini. Parce que le Cameroun actuellement là, a besoin d'un bon capitaine. Oui, oui, un bon capitaine. Et le seul meilleur capitaine à qui on peut faire confiance, c'est le président Maurice Kamto. Mais oui. Le seul à qui on peut faire confiance, le seul pilote commandant de bord à qui on peut faire confiance au Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. Il n'y a pas deux, mon frère. Ouais. Il n'y a pas deux. C'est un homme charismatique, courageux. Attendez, mais attendez, dis donc. Ce n'est pas donné à n'importe qui, mon frère. Quand on le veut ou pas, le gars a rendu un grand service à la République. Ah oui. Oh, c'était sur la diligence de ci, cela. Mon ami, il y a des services que. Il y a les services que quand on veut gagner, il y a les victoires qu'on veut gagner, on cherche les meilleurs. Voilà. À l'époque, pendant les CAN, les Camerounais gagnaient les CAN parce qu'il y avait les meilleurs au terrain. Aujourd'hui, c'est la rancune. On cherche les nuls. Et comment on veut qu'on peut, on peut pas gagner avec les nuls. Hein? Affaire Bakassi, on avait dit qu'on cherchait l'un des meilleurs. Et c'était Maurice Kamto qui était là. Et il a prouvé. Et il a gagné. hein? Il a prouvé et il a gagné. Donc c'est pour dire, quand tu veux gagner dans la vie là, cherche les meilleurs. Voilà, donc laissez ça. Pourquoi on avait que choisi? Pourquoi c'est lui qu'on avait choisi? Vous ne le voyez pas là, le représentant des Nations Unies? Comment ils sont en train de signer tout? Alors, mais maintenant, je suis sûr que eux ils regrettent la vidéo là. Et que les gens là regrettent la vidéo là. Ils disent que qui avait fait même? Qui avait fait? On a filmé le gars ici. Parce que le régime de Paul Biya, c'est un régime calculateur. Ce régime ne fait rien pour rien. Avant de laisser les traces quelque part. Oh, le régime de Yaoundé, il calcule. Parce qu'il ne veut pas que tu les voles la vedette. Non, 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 non. Le régime de Yaoundé ne veut pas que tu les voles la vedette. Et il regrette pour la vidéo là. Là où tu vois le président Maurice Kamto en train de signer les documents après le procès de Bakassi, après la victoire, tu vois le président Maurice Kamto est là, à droite, le ministre nigérien est à la gauche là-bas, au milieu, il y a le représentant des Nations Unies, tout et tout, comment on signe les documents, voilà, pour un accord de paix, et voilà, après toute une longue procédure. Ça veut dire que c'est parce qu'il était meilleur, mon frère, il était meilleur, c'est le meilleur. Voilà, il était meilleur. ah oui, il était meilleur, les gars. Notre tant gratte lorsqu'il vous entend parler. Il faut laisser mon ami là comme ça. Là. Chacun a ses problèmes sur terre. Et moi, j'ai toujours dit que la dignité passe par où? Je parle de mon ami Danny Scorpio. Vous savez, quand tu as encensé quelqu'un hier, et qu'un jour, même s'il arrive que tu t'es trompé, tu dois éviter d'employer certains mots à l'endroit de cette personne. Je vois Danny Scorpio l'autre jour, maintenant là où bien c'est la Talakuo. Bon, je sais que Danny Scorpio c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui se bat. Il n'a pas faim. Maintenant, là, je ne sais pas. Tu fais n'importe quelle vidéo maintenant, tu mets Samuel Eto'o. Tu fais n'importe quelle vidéo, tu mets Samuel Eto'o. Mais mon frère, Samuel Eto'o, mon gars, c'est un footballeur. On respecte ses efforts. Mais tu es un technicien. Tu es au pied d'œuvre, tu es un technicien, tu es un maçon, tu es un entrepreneur. Je ne comprends pas comment, mon ami, que chacun garde sa place. On respecte tout Samuel Eto'o. Mais pour quelqu'un qui aspire un jour faire la politique, mon gars,
un homme politique respecte chaque être humain comme un être humain. L'homme politique voit l'être humain comme l'être humain. C'est clair. Lui doit du respect. Mais venir encenser ou bien venir tout mélanger, ça n'a pas sa place. Voilà, les services sont différents. Les services sont différents. Il n'y a pas match quand on parle du Cameroun. Si on parle de Maurice Kamto, je veux prendre le courage là où vous parlez de Samuel Eto'o. Non, parlons vrai. Oui, Samuel Eto'o, oui, tu es un grand footballeur. Mais est-ce qu'on va le mélanger à Maurice Kamto? Comment? Mon ami, il y a des pays où on ne parle pas de football. Est-ce que les Chinois sont champions du monde? Mais ils sont forts. Ils disent bien qu'ils sont forts. On ne décide pas sans eux. Il y a des pays pleins en Europe là-bas qui n'ont jamais gagné une Coupe du Monde. Mais est-ce que quand on veut dire que quand les grands s'asseyent, quand les grands veulent prendre la décision, est-ce qu'on consulte le Cameroun? Quand on veut prendre les décisions du monde. Oui, vous êtes champion d'Afrique. Hein? Vous êtes champion d'Afrique, oui. Mais est-ce que quand on veut prendre les décisions d'Afrique, on consulte le Cameroun? Vous, c'est qui? Dans tous les thèmes, popularité, tout, puissance, vous, you be où? Nous ne sommes pas un exemple. Nous sommes dans un pays où toute une jeunesse qui a peur, hein? Toute une jeunesse qu'on a neutralisée, on laisse un vieux nous gouverner. Attendez, faites attention. Hein? On respecte aussi un pays en fonction du comportement de sa jeunesse. Si vous êtes une jeunesse peureuse, amorve, moins d'heureux, on ne vous respecte pas. On ne vous respecte pas. On respecte un pays aussi selon le comportement de sa jeunesse. Parce que quand ils se fâchent là, les gouvernants, les dirigeants trouvent la solution. Sinon, ils risquent les postes. Mais oui. Sinon, ils risquent les postes. Qui a peur du Camerounais? Non, il faut laisser ça, dis donc. Qui a peur de toi? Qui a peur? On a peur de toi par rapport à quoi? Hein? Non, arrêtez ça, que oh, je suis Camerounais, je suis. Voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le joueur. Regardez bien l'histoire du joueur ivoirien là, Tioté, Tchèque Tioté. Voilà une femme qui a commencé ses histoires simplement. Voilà ça qui est en train de prendre une autre ampleur. Et ils en ont invité que le 9, après demain, à l'audience. Tout le monde sera là-bas. Tout le monde sera à l'audience. Donc voilà une femme qui a créé quelque chose. Son mari meurt, il laisse beaucoup d'argent. Elle mange si bien que ça finit. Maintenant, elle n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant retirer les parents de son ex-mari, de son feu mari, hein, pour mettre en vente, pour les mettre dehors. Mais attendez. Les Ivoiriens ont pris ça maintenant. Ça a changé, l'histoire a changé. Donc c'est la même chose, les gars, la même chose. On respecte une jeunesse en fonction du comportement. On respecte un pays en fonction du comportement de sa jeunesse. Pourquoi on a peur des Algériens? Pourquoi en Europe, on a peur des Algériens? Parce qu'on connaît le comportement de sa jeunesse. Mais oui, quand cette jeunesse se lève, pourquoi dans notre pays, on a peur des jeunes comme ça? Parce qu'on connaît le comportement. La tête jette l'air. Mais la tête jette l'air. Mais oui, vous allez parler, on va dire même chez eux, il y a les dictatures. Mon ami, on les dicte en les offrant le nécessaire. Ils n'ont pas de problème de route chez eux. Quand tu es en Algérie, mon ami, quand tu es en Algérie, tu n'es pas en Afrique. Il faut laisser ça. Laissons la jalousie de côté. L'Algérien n'a pas besoin. Un Algérien qui vit en Algérie, rien ne l'impressionne. Voilà. Rien ne l'impressionne. Voilà. Un Algérien, rien ne l'impressionne. Lui, il sait. Mais attendez, comment? Il y a tout chez eux, mon frère. Ils ont tout chez eux. Voilà. Ils ont l'eau, ils ont la lumière, et plus moins cher. Ils ont le groubs, le pain, le groubs. Ils ont tout chez eux. La farine, au prix de rien. Ah oui. Non, mon frère, ils vont que dégager cette fois-ci là seulement. La chance qu'on a, c'est que on a un leader charismatique, l'homme à qui on peut confier le Cameroun pour un temps, en attendant que, ok, on voit comment on va faire. C'est ça le plus important. Parce qu'auparavant, on se posait la question, mais on va donner le Cameroun aussi à qui? Parce qu'il y a beaucoup là qui disent que non, même si les choses changent, on va faire confiance à qui? Nanani, nanana. Mais mon frère, on a un leader charismatique qui nous a convaincus. Mon frère, dis-moi un peu.
Te voilà, tu n'es pas là. Voilà quelqu'un qui passe son temps constamment à donner les sacs de riz chez toi. Il passe chez ta mère, il donne les sacs de riz parfois. Un petit frère du quartier. Un jour, tu rentres. Dis-moi à qui tu as fait confiance. Même s'il faut qu'il t'abuse. On te dit que voilà celui-là que quand tu n'étais pas là, il passait souvent visiter ta mère. Il y a les meilleurs amis qu'on les met auprès de nous pour ce qu'ils ont fait hier à l'un de nos parents. Donc le président Maurice Kamto, quand on parle politiquement, il est celui-là qui a mouillé le maillot ces dernières années. Il est le seul qui a ouvert les yeux aux autres. Mais c'est clair, c'est comme parmi les activistes. Il y a ceux qui impactent plus que les autres parce qu'ils sont restés cohérents. Nous aussi, on manque beaucoup de choses, non? Moi, on voit certains là, parce que le frère du village a un petit problème, subitement, pam, il change. Alors que le frère du village n'a aucune ambition, parce qu'il ne respecte même pas les conditions pour aspirer un jour à être président. Les gens sont égarés, en fait. Les gens mélangent tout. Parce que c'est le frère du village, parce qu'il est champion, parce qu'on voit même les gars qu'on savait que celui-ci au moins connaissait quelque chose, ce qui veut dire la politique. Mais après, tu vois comment il s'égare. Attends, tu parles quoi là? Et il y a les gens là que j'aime bien, qui sont de mon village, avec qui je sympathise, que j'ai des affinités. Maman de la vie, mon frère, regardons-nous dans le miroir. Est-ce que celui-ci respecte les conditions? Toi, tu parles de la politique, tu écoutes la politique mieux que celui-là. Ça, parce qu'il est une célébrité. Hein? Et un jeune politicien là, mais c'est mon ami. On a le même âge. On se parle. C'est mon ami, on est né en 79 ensemble. Mais est-ce que moi je parle trop de lui? Je ne parle jamais de lui. Parce que ce qui ne remplit pas les conditions. Puisque ses proches sont tous de notre génération. Nous sommes les amis, on est nés presque au même moment en Banga. On se connaît bien. Mais je ne parle pas de lui parce que je sais qu'il est léger. Et pour le moment, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est léger. On a quelqu'un qui peut faire face. Oui, la vie c'est aussi les relations. Le président Maurice Kamto a les relations. Il peut toquer une porte quelque part, on ouvre. C'est aussi ça. Qui vous a dit qu'on est chef comme ça là? Mais oui, un chef c'est aussi celui-là qui doit apprendre à apporter. Depuis que la politique camerounaise existe, de notre ère, Maurice Kamto est le seul que quel que soit le mouvement, tout le monde se lève. Même les défenses, c'est Maurice Kamto qui a créé le concept là. À l'époque, les gens mouraient pour rien. On t'arrête, on te jette en prison. Qui va se lever? Mais les collectifs d'avocats maintenant sont disponibles. Mais oui, il a même donné une place spécial aux avocats. C'est un métier noble, mais depuis que Maurice Kamto s'est engagé en politique, mon ami, il y a des métiers qu'on respecte. Il est mis au travail. La politique, c'est mettre aussi son adversaire, qui est le parti politique, au travail. Qui est le parti État au travail. Qui doit les inquiéter? Mais attendez, quand on nous a arrêtés à la sémine là-bas, quand on m'a torturé là, on m'a dit que monsieur, il ne faut pas déranger les gens. Est-ce que vous savez qu'on fait les... On passe les nuits sans dormir à cause de vous là. Quand on peut arrêter le bandit, si on le cherche, si on le trouve, on ne le voit pas. On ne rend compte à personne. Mais quand on parle que c'est la politique, c'est Yaoundé qui donne l'ordre, monsieur. Qu'il y a tel groupe de personnes comme ça là. Il y a tel monsieur là-bas, il a fait comme ça. Allez les arrêter. Donc on met les machines en marche. On doit vous amener. Donc pour cela, vous avez le droit et le devoir d'avoir un résultat positif. Parce que c'est votre poste qui est en danger. Mais c'est ça le problème. Mais alors quand on cherche un bandit, on peut le voir, dis donc, le colonel vient s'asseoir. Mais quand on dit qu'il y a les activistes là-bas, il y a tel monsieur qui a fait comme ça. Oh, Longa a dit que. Oh, Mbanga diaspora. Oh, tel a fait que. Mais attendez. Il faut absolument les neutraliser. Mais c'est ça. Parce que c'est les carrières qui en dépend. Mais oui. C'est les carrières qui en dépend, les gars. Donc, c'est pour dire que mon frère, ma soeur, nous avons une seule personne à qui on peut faire confiance, qui est le président Maurice Kamto. C'est clair. Voilà. On a quelqu'un à qui on peut faire confiance. Le président Maurice Kamto. Voilà. Donc arrêtons de chercher midi à 14h. Koho, vraiment, je ne sais pas. Non, sauf si tu es un petit tribaliste. Peut-être tu veux le changement sans le BAMS. Mais désolé, ce genre de langage-là, on doit oublier. Parce que que tu le veux ou pas, c'est le meilleur risque. C'est Maurice Kamto. Parce que vous êtes nombreux là, vous jouez à l'hypocrisie. Voilà, non, je veux le changement. Nous tous, on veut le changement, mais tu proposes qui? Hein? Mais tu proposes qui? Tu veux le changement, tu proposes qui? Mais dis-nous, dans la vie, là, quand tu veux vraiment que quelque chose, quand tu veux le résultat, mais propose quand même.
Tu veux le changement, mais dis-moi alors, tu proposes qui? Tu proposes qui? Moi, je prends le président Maurice Kamto. Je l'assume. Toi, tu proposes qui? Dis-moi. Mais tu as de la peine à proposer parce que, absolument, tu es dans un système de tribalisme qu'on a mis sur pied depuis les colons. Les colons nous ont eu, hein. Vous voyez ce que le colon a fait, non? Le colon vient quelque part. Parmi vos frères, ils font à ce que celui-là est tout que derrière. Ils font à ce que vous le marginalisez vous-même. Alors que c'est lui qui a été persécuté avec les autres frères Bassa. Voilà les gens qu'on a exterminés. Parce que 500 000 personnes. Parce que 500 000 personnes ont été assassinées. Hein? Parce que 500 000 personnes ont été assassinées. Oui. Mais le colon a quand même travaillé de manière que il faut le détester. Malgré tous les efforts que cette personne apporte au Cameroun. Mais oui, nous sommes tous des Camerounais, chacun apporte. Mais n'oublions pas que nous sommes des êtres humains. Mais il y a des gens qui ont une grande mission que d'autres, que certains. Mais oui, il y a des personnes qui ont des grandes missions que d'autres. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Il y a certains qui ont les grandes, même parmi les enfants. Il y a ceux qui ont une grande mission que d'autres. Que tu le veux ou pas. Parmi tes frères, parmi tes soeurs, vous n'avez pas les mêmes missions. D'autres ont les grandes missions. Voilà, d'autres ont des grandes missions. Arrêtez la sorcellerie. Voilà. Revenons au meilleur sentiment. Et disons-nous entre nous, vraiment, ce n'est plus le temps de blaguer. Ce n'est plus le temps de blaguer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pays s'y va mieux? Parce que le pays n'est plus debout. Le pays est couché. Et donc notre pays est couché. Que tu le veux ou pas, notre pays est couché. Regardez comment il y a la joie partout. En Côte d'Ivoire, il y a la joie. Mais oui, tu sens qu'on gouverne le pays. Tu sens au Cameroun qu'on gouverne. Tu sens, il y a des pays quand tu sens que non. Là-bas, le président est debout. Mais oui. Donc nous devons apprendre à changer et revenir au meilleur sentiment. Je suis arrivé là où je partais. Je veux raccrocher le direct. On va continuer ce direct tout à l'heure. Donc, dans 2 heures, 3 heures de temps. Ok, dans 2 heures, 3 heures de temps, nous allons parler. Vous êtes nombreux, vous voulez le changement, mais comme le tribalisme est déjà entré dans votre mentalité, oui, parce qu'on vous a fait croire que ceux-là, mais ceux-là, vous ne les voyez pas sur le terrain, vous ne voyez pas les efforts qu'ils fournissent. Ceux-là, regardez, là où ils sont, quand ils sont quelque part, ils sont comme la route. Quand la route passe, le développement suit. Est-ce que ceux-là ne travaillent pas? Regardez le travail qu'ils abattent en diaspora. Quand ils sont quelque part, même en diaspora, on sent que là-bas, il y a les Camerounais. Mais comment on peut te transformer ton frère Camerounais, celui-là qui apporte beaucoup, qui travaille. On te fait passer, on lui fait passer comme une seconde personne, comme quelqu'un que s'il gouverne le pays, ça va aller de mal en pire. Mais attendez, alors que ce sont les entrepreneurs. Mais attendez, le temps est révolu. Hein. Il est anormal que c'est toi le battant et c'est toi qu'on met en second plan. Jamais de la vie. Tu ne verras pas ça quelque part. Tu ne verras pas ça quelque part. Dans aucun monde. Quand on vous dit que les Juifs tiennent le monde, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir économique, le pouvoir même intellectuel. Chacun peut être président. On peut fabriquer que quand il devient président. Mais il y a des qualités que il faut le mérite. Il faut la discipline pour atteindre un certain niveau. Vous ne pouvez pas être parmi ceux-là que quand on compte sur 100, vous êtes 80. Mais c'est vous qu'on veut mettre en second plan. Mais attendez, tu vas où? Mais attendez, c'est quand tu détiens l'économie, tu dois chercher à savoir qui va gouverner le pays, où on va t'amener. Tant pis pour certains bamilekés qui ont peur de s'assumer, qui ne veulent pas s'engager en politique. Non, j'ai mes amis partout. Non, tu es feignant. Tu ne verras pas le Juif dire cela. Tu ne verras pas les hommes d'affaires. Non. Voilà la politique en Indonésie. Les Chinois ne sont pas nombreux en Indonésie. Mais eux, ils sont derrière parce que ce sont tous les financiers. Dans toute l'Asie. Dans toute l'Asie. Pour être président en Asie, mon frère, actuellement là, la Chine est concentrée sur toutes les élections parce qu'ils ont leurs citoyens là-bas. Je dis bien que dans plusieurs pays en Asie, et bientôt ils vont même traverser les frontières, ils vont déborder les frontières.
En Asie, il n'y a pas un président que quelqu'un veut être président. Un pays où il n'y a pas un président où quelqu'un veut être président. Les Chinois n'ont pas les yeux sur lui. Oui, c'est clair. Parce que ce sont eux qui ont le plus gros marché. En Inde, on se concentre sur toutes les élections parce qu'ils ont les citoyens là-bas. Mais c'est clair. Donc, il faut que les gens changent de mentalité. C'est simple comme bonjour. Voilà, les gens doivent s'engager en politique. C'est très important. Passez une bonne journée. On est ensemble.